les élus vous indiquent Jean-Pierre Fouchet, maire de Clamart, Roger Bachelot, maire de Clamart, et Henri Dumas, secrétaire d'État chargé de la santé et de la sécurité sociale. Évidemment, l'union partagée de la majorité, c'est bien la fraternité de la devise de la République. Oui, mais c'est vrai, la notion de la fraternité est un mouvement. Et d'ailleurs, depuis 50 ans, toutes les grandes avancées sociales, c'est nous qui en sommes à l'origine. La création de la Sécu en 45 derrière le général de Gaulle, la politique pour les handicapés, la création de l'assurance chômage, mais maintenant, il faut aller plus loin. C'est ce que nous faisons en changeant la protection sociale, en mettant en place une politique de sécurité sanitaire et de santé publique, et surtout l'aider à l'accès aux soins de tous et en faisant une véritable politique de santé au niveau de l'Europe. Roselyne Bachelot, est-ce qu'il n'y a pas une fatalité de l'exclusion pour certains? Pendant 14 ans, pendant deux septennats socialistes, nous avons eu effectivement le sentiment qu'il y avait une fatalité de l'exclusion. Nous refusons cette fatalité de l'exclusion. Nous l'avons refusée en instituant le Sénat social. Nous l'avons refusée en construisant 20 000 logements pour les plus démunis. Nous la refusons demain en reprenant l'examen de la loi sur la cohésion sociale. Pendant 7 ans, si les Français nous font confiance, nous voulons que cette solidarité s'exerce vis-à-vis des plus démunis de nos concitoyens. Non pas, comme le veulent les socialistes, en faisant encore plus d'assistanat, en leur refusant la dignité, mais nous voulons que cette devise républicaine de la fraternité aille vers plus de dignité, vers plus de responsabilité. Nous voulons que les Français puissent choisir leur destin. La question de demain, c'est aussi la fête demain. Quelle peut être la place de la famille? La famille est une force de notre société. Elle est l'union qui unit les générations, les enfants, les parents, les grands-parents. Mais c'est aussi la cellule de base de notre civilisation. Et c'est par elle que doit passer la fraternité qui rassemble les Français. Et c'est pour cela que la famille a toujours été au cœur de nos préoccupations. Et il y a certainement des mesures fortes qui ont été faites, comme par exemple les préférences historiques qui favorisent les familles, et aussi le versement des prestations familiales aux enfants et familles qui ont été retraités, mais qui ont 19 ans, et nous pensons à partir encore à un âge plus élevé. Il faut savoir que nous veillons, et c'est notre souci dans la famille, que l'activité de son gouvernement est l'activité de la famille, c'est-à-dire l'enseignement, la formation, le premier emploi, le logement, l'environnement. Et nous avons des grands-parents qui pensent pour les aînés, les plus âgés. Aux aînés, nos aînés, nous leur devons, et c'est la société qui leur doit, si nous n'avons pas les moyens, une dignité de vie, et qui se conforme à leur souhait. Et c'est ainsi que